Si t'en as marre de te faire carotte pareillée et que tu veux des points FIFA et des crédits pas chers, va sur FIFA Coins Buy, le lien est dans la description et t'as 3% de réduction avec le code OVERTAKE. Alors salut à toutes et à tous, c'est OVERTAKE, on se trouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une petite hybride, une petite équipe. Hein, voilà, parce que j'ai bégayé. Bref, comme vous l'aurez vu au titre, voilà, c'est une équipe avec CR7. Hein, fallait bien que je vous le fasse avant que je le vende. Donc voilà, j'ai fait une petite hybride pas mal du tout avec la première ligue Calcio et sa Thunder. On va commencer par la défense. Défense, voilà, Smalling, Bonucci, Florenzi et Shaw. Bon, voilà, le téléphone qui ouvre sa gueule. Enfin bref, la défense vraiment, je dirais presque parfaite. Franchement, cette défense-là, vous le verrez dans les matchs que j'ai fait, elle est juste énervée, voilà. Moi, franchement, je la kiffe. Shaw, Florenzi, c'est des latéraux que je kiffe. Voilà, je vais pas rester 10 ans dessus. Ensuite, voilà, on a un milieu assez complet. El Shaarawy, juste monstrueux. Il fait défenseur, il te fait BU, il te fait à latéral, il te fait tous les postes. C'est un monstre. Parfait partout. Dele Alli, pareil, hein, il a des stats assez équilibrées, assez, je dirais. Bref, hein, voilà, il est assez complet partout, pareil comme El Shaarawy. James, voilà, hein, c'est le sens, c'est la base. CR7, Ben Yedder, Orlina. Bref, franchement, rien à dire. L'attaque, c'est pour moi, c'est limite la meilleure attaque du jeu, le machin. Après, c'est vrai qu'avec CR7, j'ai quand même du mal à jouer. C'est vrai, je l'accorde. Mais vous verrez quand même que c'est une dinguerie. Donc, sur ce, voilà, moi je vous laisse avec les matchs que j'ai enregistrés déjà. Voilà, parce que la vidéo, hein, j'ai dû la refaire pas mal de fois. Donc, quand même, hein, si la vidéo vous a plu, les gars, n'oubliez pas la fin de la vidéo de lâcher un big like pour la famille. Vous abonner si c'est pas déjà fait, les gars. Dire dans les commentaires quel genre d'équipe vous voulez que je vous présente, quel type de vidéo prochaine vous voulez que je fasse, ou quelle série. Peut-être je ferai des séries sur des équipes. Voilà, au moins une fois par semaine, je mettrai une vidéo sur des séries histoire de varier de la charvante, SPC et compagnie, tu vois le délire. Enfin, bref. Voilà, à tout à l'heure, tout simplement. Pas l'air d'avoir une équipe de ouf. Ouais, bon, elle est pas mal. Il a une équipe cheat, première ligue. Bon, hein, ces équipes-là, en général, je me fais taper salement. Hein, on va le dire. Hein, en général, ce genre d'équipe, ça me tape sale. Bon, là, j'espère que ça sera pas le cas. Hein, parce que là, le but, c'est de vous présenter mon équipe et le level qu'elle a. Tu vois, donc, s'il te plaît. Et de l'empathie, jeune homme. Tu vois, de la gentillesse, de la pitié. Bref, c'est parti. En tout cas, pas de pitié de mon côté. Hein. Bon, voilà, je sais pas ce qu'il est, c'est ça que je vous ai dit, les gars. Enfin, je sais pas si ça se dit ce qu'il est, mais. Skills, ou je sais pas comment on dit, mais vous m'avez capté, j'arrive pas. Les gestes techniques, c'est pas trop mon délire. Je joue en passe. Plutôt ça, mon délire. Mais au moment où ça le fait, entre le moment où. Orlena, finis-moi ça. Orlena, les gars, c'est une dinguerie, bordel de merde. Une putain de dinguerie. Non, les gars, franchement, Orlena, je vous le conseille énormément. Il coûte que 16 000. Tu fais une petite ligue à Satender. Tu mets Orlena. Moi, je vois beaucoup de Williams. Williams, sur le set, ok, il avait une carte up, là, or, là, où je sais plus, à 78, 76 de gêne. Je sais plus combien elle avait. Il était lourd. Ah, par contre, là, s'il égalise déjà, non, c'est pas possible. Bref, c'est vrai, il était lourd. Je vous l'accorde. Mais là, moi, je vois pas en quoi il est énervé, Williams. C'est comme Kinsley, hein, Coman, tu vois. Kinsley Commando. C'était juste pas très bien pour moi. Orlena, file-moi ça, Orlena. Non, non. Oui, Orlena. Mais Orlena, c'est juste un strumon, les frères. C'est juste un strumon. Oh, je le surkiffe, ce joueur. Oh, je le surkiffe vraiment. Il a de l'accélération. Bon, la finition, c'est moi qui sais pas finir. Mais il a de la finition. Il a de la technique. Il a de la détente. Achetez-le. C'est le mec qui vous conseille plus d'acheter Orlena que CR7. Non, c'est vrai que CR7, voilà, il est lourd. Hein. Quand il est là, il te fait des contre-attaques. Il est là, tu vois. Mais sinon, je le vois pas souvent. C'est pas folie, quoi. Orlena, finis-moi ça. Finis-moi ça. Mets-moi ton triplé, mon poteau. Mais oui. La vidéo, ça sera même pas CR7 le strumon, mais Orlena le strumon. T'es fou, non. It's not possible. It's not possible. Et c'est pas possible, mon frère. Le mec, il est là. Bring, accélération, coup d'épaule. Bring, il finit ça. Mais non. C'est pas possible. Non, je vous l'ai dit, les gars, Orlena, c'est vraiment un monstre. Regarde, triplé d'Orlena. C'est même pas triplé de CR7, c'est triplé d'Orlena, ma gueule. Précipite pas ce BFDR, ce qui prennent leur
temps. Ben Yedder. Oh Ben Yedder. Ben Yedder. Ben Yedder. Non, Ben Yedder, c'est un strumon, les gars. 100 matchs avec lui ou 98, enfin bref, je sais plus, pour plus de 60 buts. Ben Yedder. Je m'en passerai jamais. Malheureusement, je peux pas le vendre. Encore heureux, même, je crois, parce que je vais pas le vendre. Bref, non, franchement, il est là, il a tout ce joueur. Wissam Ben Yedder. Oh, Ben Yedder. Ah non, CR7. Hors jeu ? Même pas ? Oh oui, bébé ! Bah ! Bon, j'avoue que c'est pas la même chose, lui et moi, mais il y avait un peu de ressemblance. Bref, non, CR7, c'est vrai que c'est... C'est un peu l'homme à tout faire, je dirais. Bref, le match est fini, les gars. 5-0. Je sais même pas pourquoi il a continué le match. Je ne comprends pas. Je n'y comprends pas. Le 3-0 avec... Enfin, le triplé de Arlena, les gars, c'est... Arlena, les gars, juste une dinguerie. City. J'aime bien son équipe. Et j'achète même. J'aime bien son équipe. J'aime bien City. B. Ruben Müller. Mon pote. Franchement, au lieu de mettre Ruben, tu le vends. T'achètes Lewandowski. Enfin, t'attends un peu. Tu vends Müller. Ruben, tu mets Lewandowski. Et à droite, tu mets Douglas Costa. Même si c'est un AG, tu peux le mettre en AD. Il passe très crème. Parce que là, mon pote, le Müller, il est trop lent. C'est un peu un tas de... Un gros sac, un peu. Yay. CR7, finis-moi ça, mon pote. C'est pas grave. Ouah, Dele Alli. Ouah, l'action, quand même. Comment je l'ai passé avec CR7, c'était... Moi qui ne sais pas faire de skill, on peut dire que sur ce coup-là, le skill était présent. Enfin, je trouve. Enfin, j'espère. Oh là là, Orlena. Orlena, les poteaux. Que ça marque avec Orlena. Ah, je comprends plus. Je comprends plus. On est là en train de faire une vidéo pour CR7. Et au final, c'est Orlena qui fait que de marquer. Explique-moi le concept. Non, je suis perdu, là. J'y suis perdu. James Rodriguez. Bon, après l'attaque, hein, il fallait bien que je marque. Bon, le but, il est dégueu en soi. Hein. Je vous l'accorde, le but, il est dégueu, mais ça reste un but. Voilà, on n'est pas là. Nous, on n'est pas là, tu vois. On cherche pas la qualité avant tout. Nous, ce qu'on veut, c'est la quantité, là. Tu vois le délire. Tu vois, on cherche pas la qualité avant la quantité. Nous, on veut la quantité, tu vois. Nous, on veut pas un but magnifique. Nous, on veut 15 buts. Oh. On peut clairement dire que j'ai énormément de chatounettes. Mais, regarde. Regarde-moi ce qui, Théma. Là, elle serait partie en corner à la rigueur. Tu vois, le gardien, vu comment il est plongé, il allait la toucher des bouts des doigts. Mais là... Et en plus, il dit c'est CR7 qui a marqué. Bon, bref, on va dire c'est CR7. Il a mis une frappe, elle était énervée, c'est tout. Non, j'y suis vraiment content là, de ce match là. C'était un match très très haut en émotion quoi. Orléna encore homme du match. Enfin bref les gars, hein, pour en conclure en gros sur cette équipe, les points positifs c'est simple, c'est la défense et l'attaque surtout. Hein, bon voilà la défense, elle est juste monstrueuse, je pense que vous l'aurez vu dans les deux matchs. Hein. Après on a les milieux là, franchement ils sont très je dirais complets dans le sens, voilà il y a la passe, il y a le physique. Il y a l'attaque, l'offensive. On dirait même c'est des défenseurs. Surtout El Shaarawy. El Shaarawy, parfois je le confonds avec Florenzi. Les deux ils se ressemblent. Et en plus de ça, El Shaarawy il redescend souvent en arrière. Il est là. Il te met des physiques, mon frère, comme As. Non, c'est terrible. Ensuite, Orlena, pépite. Hein, c'est une pépite. T'es là, il a 85 de vitesse, 78 de tir. On dirait il a des stats à son double que. C'est le double de celle de CR7. Enfin bref, là j'exagère. Non, il a 180 de vitesse. Enfin bref, tu m'as capté. En gros, il est vraiment très très chaud pour sa carte qui. Pour le prix, surtout, il vaut rien, tu vois.
un côté, voilà, CR7 aussi il est lourd, mais comme je vous ai dit, j'ai du mal à jouer avec lui. Bon, voilà, sur 21 matchs, 12 buts, 4 passes D, c'est de la merde, clairement c'est de la merde, c'est dégueu, tu vois. Après, je pense que j'en suis un peu la cause, hein, on va pas se m'étonner que j'en suis un peu la cause, mais voilà quoi, le mec, et ouais, il est pas mal, mais après, voilà, comme j'ai dit, c'est pas mon style de jeu, voilà, il faut jouer technique avec lui, tout ça, c'est... Voilà, après Ben Yedder, c'est une valeur sûre, c'est le genre de joueur, tu mets des tout droits, ça rentre, hein, c'est pff, tout droit, tac, enroulé, c'est fini. Ben Yedder, rien à dire, quoi, 96 matchs, 60 buts, 30 passes décisives. C'est un délire, le machin, tu vois, tu... Enfin, bref, sur ce, en gros, attendez, ouais, en gros, ça fait 90 actions avec lui, 90 actions, on additionne. Monstrueux, tu vois le délire. Enfin bref, sur ce, moi les gars, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, ce genre de vidéo où je présente des hybrides, des équipes comme ça, vous plaît, bombardez-moi la barre de like. Dites-moi dans les commentaires quel genre de type de vidéo par la suite vous voulez que je vous fasse, comme gameplay, une série où par exemple je fais une équipe genre avec des joueurs à 90 de vitesse, des... Je sais pas, il y a pas mal de séries qu'on pourrait faire. À vous de me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, c'est le commentaire qui a le plus de likes, bah, je le ferai, ou même celui qui me plaira. La proposition qui me plaira, je la ferai tout simplement. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Vous-même, vous le savez, à côté de ça, FIFA, on s'en bat les couilles. C'est Overtake. Ciao les gens.